Mon stage à l'établissement horticole des Rosaires m'ayant plu, j'allais encore durant un an passer tous mes mercredis après-midi de congé à me familiariser avec le métier d'horticulteur. J'étais décidé, je deviendrai horticulteur comme mon oncle Serge et mon oncle René. Le lundi 2 avril 1971, je signais mon contrat d'apprentissage avec mon nouveau patron, M. Edouard Solberg. Durant les 3 années qui allaient suivre, j'allais apprendre l'une des plus belles professions qui existent. Car, où que l'on soit, à l'intérieur comme à l'extérieur, en Suisse comme en Espagne, les plantes et la végétation sont présentes. Ainsi, en connaissant leur nom et comment leur donner du bien-être, on se sent à l'aise partout. En commençant mon apprentissage, j'allais faire la connaissance d'une jeune fille sympathique et sportive. Catherine Moser venait de terminer son apprentissage à l'établissement des Rosaires, alors que je commençais le mien. En d'autres termes, je prenais le relais. Cathy était en parfaite condition physique, et pour cause. Elle faisait partie d'une équipe de football semi-professionnelle et se rendait toutes les fins de semaine dans la région de Bologne, en Italie, avec son Alfa Romeo pour y pratiquer son sport. Sa dextérité à jouer avec le ballon ainsi que sa force de frappe lui avait établi une réputation non seulement en Italie, mais également dans notre pays. Elle faisait ainsi partie de l'équipe suisse féminine. Il est bon de préciser également que lors de chaque victoire de notre équipe nationale, elle y avait contribué au minimum en ayant marqué un but et même davantage. Durant les quelques années où nous allions travailler ensemble, une très bonne camaraderie devait régner entre nous. Ce travail me plaisait beaucoup. J'étais vraiment dans mon élément. Les tâches étaient différentes de ce que je faisais à Poliépitet, mais n'en était pas pénible. Par contre, il me fallut m'habituer à un travail constant, pas question de rêvasser, ni même de faire des pauses. Le soir, je retrouvais mes copains. Ah, quel changement! Le samedi après-midi, sitôt mon travail terminé, en compagnie de Marcel, mon meilleur copain, nous nous adonnions à notre passe-temps favori. En effet, tous nos temps libres, nous les passions à courir les décharges publiques, à la recherche de pièces mécaniques pour concevoir des vélos tout-terrain. Un jour, nous trouvions un cadre, tantôt une chambre à air, ou encore une jante ou un pneu. Et c'est ainsi que nous parvenions, sans pour autant n'avoir aucune notion de mécanique, à nous monter des cadres capables de rouler. Bien entendu, nous restions dans le fonctionnel. Nous pensions tout à fait inutile de rajouter des freins, des lumières, un pare-chaîne, etc. Quant à la selle, il nous était possible de l'enlever tout en pédalant. Comme il s'agissait d'une selle de vélomoteur, le diamètre de son tube ne s'adaptait pas à un cadre de vélo. Si une de nos machines survivait plus de 3 semaines au train d'enfer qu'on lui infligeait, c'était un record. Bien souvent, lorsque nous descendions les sentiers abrupts de la colline de Chamblanc, c'était les arbres qui, en pleine forêt, stoppaient nos courses folles. Lorsqu'un amas de terre semblait nous lancer un défi en bordure de chemin, lors de la descente suivante, avec une insouciance dont seule la jeunesse a le secret, nous le franchissions à la vitesse de l'éclair. L'un de nos parcours à forte sensation était celui que nous appelions la piste de l'enfer. Ce chemin agricole prenait naissance où se trouve actuellement la caserne militaire de Chamblanc, et sa longueur était d'environ 1 kilomètre. Quand je parle de chemin agricole, la dénomination n'est peut-être pas tout à fait à propos. On aurait sans doute pu davantage le qualifier de chemin de montagne, fait de pierres et de mottes de terre. Comme nous arrivions à cet endroit à une vitesse assez élevée, la vibration du cadre était telle que nous avions la vue trouble. Un dernier défi, la piste du diable. Un fossé de 2 à 3 mètres de large et d'une inclinaison d'environ 15%.
Son seul avantage, toutes les feuilles mortes de la forêt y étaient amassées, ce qui atténuait considérablement nos chutes. Arrivé au bas de cette piste, il était vital d'avoir une parfaite maîtrise de nos bolides, car nous débouchions au sommet d'une carrière abandonnée. En contrebas, il y avait seulement quelques vieilles carcasses de voitures. Une mauvaise sortie, et c'était la descente aux enfers. C'est sans doute pour cette raison que nous avions appelé cette piste la piste du diable. Comme les freins étaient inexistants sur nos vélos, il était nécessaire de faire preuve d'une grande dextérité. Pour tenter de ralentir, une possibilité, déraper latéralement sur les bords du fossé, tout en espérant qu'une racine ne nous bloque pas la roue. Une fois sur la route, arrivé à un arrêt, la seule façon de nous arrêter était de coincer un pied entre le pneu et la fourche. La roue avant, 9 fois sur 10, bloquait d'un coup. Le vélo se redressait à la verticale et on se retrouvait debout sur la ligne d'arrêt avec un amas de ferraille 1 mètre derrière nous. En 1971, les usines d'incinération des ordures n'étaient pas chose courante en Europe. La ville d'Yverdon, qui comptait à l'époque 22 000 habitants, en était aussi dépourvue. De ce fait, le service des travaux avait creusé d'énormes fosses où se situe aujourd'hui le terrain de sport des Vagères. Leur utilité, ensevelir toutes les ordures de la ville et celles des entreprises, comme celle des citoyens. À l'intérieur même de ces fosses, l'eau se mélangeait à la boue et aux déchets de toutes sortes. Je ne suis pas spécialement fier de le dire, mais c'est souvent sur ces remparts d'ordures qui se terminaient dans la boue que nous trouvions la plupart de nos pièces mécaniques pour monter nos vélos. Il fallait faire preuve d'audace, pour ne pas dire d'un certain courage, pour s'aventurer sur ces amoncellements de bidons, de restants de salades et de vitres brisées. Certaines fois, avant que la grue municipale ne vide la fosse pour tasser son contenu, les ordures flottaient, permettant même de nous aventurer jusqu'au centre pour récupérer un cadre ou une paire de roues. Un samedi après-midi, alors que j'étais accompagné de Marcel et de son frère Philippe, notre témérité faillit tourner au drame. Alors que Philippe et moi étions occupés à fouiller les abords de la fosse, Marcel, lui, ayant remarqué qu'un cadre de vélo se trouvait placé dans son centre, s'aventurait pour le récupérer. Le poids de son corps, ayant eu raison des ordures qui flottaient, ce dernier s'enfonça dans le terrain mouvant. Pendant que j'essayais, tant bien que mal, de lui tendre le bras pour l'extraire de sa fâcheuse posture, je priais son frère de demander l'aide d'un brocanteur qui cherchait lui aussi des accessoires encore en bon état parmi les ordures. À cet instant, Philippe eut la même réaction que son frère Marcel, quelques années plus tôt, alors que Jean-Marc était tombé du bateau, amarré au bord de la Thielle. Il prit la fuite. Étant inefficace à tirer mon meilleur copain de sa dangereuse situation, je décidai alors d'aller moi-même interrompre le collectionneur de pièces usagées pour venir à notre secours. Ne parlant ni espagnol ni italien, pour me faire comprendre, je tirai notre sauveteur éventuel par le bras jusqu'au bord de la fosse. S'apercevant alors que Marcel était enfoncé jusqu'à la taille, il ne perdit pas une seconde et courut chercher une corde dans son coffre de voiture. Lorsque Marcel empoigna la corde, les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve qui flottaient lui arrivaient à ce moment-là à mi-poitrine. À partir de ce jour-là, cette bravoure qui nous incitait à aller chercher des morceaux de métal jusqu'au fond de ce gouffre à déchets se limita dès lors à ne fouiller que les abords de la fosse. En 1971, contrairement aux années précédentes, mes parents avaient décidé de ne pas aller passer nos vacances en Italie, au bord de la mer Adriatique. En effet, depuis les années 1960, c'était devenu comme une habitude et nous nous contentions de passer nos vacances soit à Marina di Ravenna ou à Catolica. Mais cette année-là,
Au contraire, changement de pays et changement de mer. Nous allions découvrir l'Espagne. Mes parents connaissaient très bien Marcel. Il était né le 18 décembre 1955 et habitait la maison en face de la nôtre. Mis à part les années que j'avais passées à Poliépitet, nous avions fait toutes nos classes et échoué nos examens ensemble. Ainsi, une grande amitié nous liait. Devenu adolescent, les vacances avec papa et maman se vivaient plus de la même façon. Pour cette raison, mes parents avaient invité Marcel à nous accompagner à la Costa Brava. Autant pour Marcel que pour moi, ces vacances furent inoubliables. Bajo un sol maravilloso y frondoso, verde pinar, muy luciente y atractiva, Costa Brava sin igual. Es por vos muy primorosa, codiciada es cada que, y un jardín lleno de rosas, rosa hermosa que es vergel. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Como puerto de la selva, sugestiva, angelical, la escala pintoresca y Ampuria señorial. Bagur tiene sus arrieras, agua fresca y forenel, agua blava y satuna, forma norma de mujer. Sol y mar, la de arena San Marina, Pancitina, San Sebastián, perfumada y cantarina, a la voz, cosas de mar, playa de Aro, Sagaró, San Feliu de Quisión, y también lloré. Me das un encanto, titilante estar aquí, y por fin Blanes mi canto, inspiró con...